La rose d'or. Ce n'est pas un commentaire d'après les législatives au vu du score des socialistes. Non, le concours de la Rose d'Or, c'est un grand prix de la chanson francophone qui récompense chaque année un jeune talent qui a entre 18 et 35 ans. J'ai l'impression d'être une speakerine avec ce bouquet de fleurs à côté de moi. Le 6 juin dernier à Olympia, Serge Lama, qui fut lui-même lauréat de la Rose d'Or d'Antibes Juan Lépin avec sa chanson Une île en 1969, Serge Lama présidait le jury à l'Olympia pour désigner finalement l'heureux gagnant de cette année 2002. Des tas de chanteurs et d'artistes était sur place, y compris Frigide Barjot, qui à la Rose d'Or apportait ses épines. Une caméra chantée par Julien Héron, regardez. Bonjour, Frigide Barjot à l'Olympia. J'ai testé, truqué le concours de la Rose d'Or. Pour le plaisir d'avoir le temps de... Ça va, ça va. Ça va, ça va être bien. Cool. Pardon, excusez-moi une seconde, oui. Madame Croisille. Oui, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour, je suis Catherine Laroche-Jacquin. Oui. Je suis directrice du développement d'Universal Music. Voilà, vous savez qu'il y a 5 candidates qui vont passer. Oui, ça je connais. Je vous présente la 6e. Bonjour. Voilà, Laetitia L, qui en fait n'est pas prévue sur le programme, mais qui va chanter ce soir. Ah d'accord. Car c'est la protégée de Jean-Marie Messier. Ah oui, donc elle a pas été vue ni par le jury ni par personne. Non, et qui va faire une énorme surprise car elle va gagner ce soir. Ah bon, c'est un concours voilà. Qui n'est pas un concours. Mais ça reste, c'est officieux, ça reste totalement entre nous. Vous avez raison. Parce qu'on remonte un concours et vous le truquez complètement dès le départ. Écoutez, truquer, ça, c'est un très grand mot. Je suis désolée. Pourquoi faire tout ce... Parce que son single sort la semaine prochaine et que c'est un énorme lancement. Je suis désolée, mais moi, ça me chiffonne énormément, moi, ça, vous voyez. Écoutez, je ne vous demande qu'une chose, s'il vous plaît. Il faudrait qu'elle puisse venir faire un duo avec vous. Ah non, il n'y a pas de question. Ça. Mais je vous assure, non, mais oubliez-moi. C'est un appel. Mais c'est pas grave, ça m'intéresse pas du tout, je le ferai pas. Je suis tout à fait contre ce que vous êtes en train de faire. Il faut aider les jeunes talents. Non, pas comme ça. C'est convenu en haut lieu, elle va remporter le concours. Et qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Il va falloir qu'elle puisse venir chanter avec vous sur scène. Pendant ma chanson sur scène. Voilà, je vous rejoins sur scène. Voilà, elle arrive derrière vous comme ça et vous reprenez ensemble. Pour le plaisir, c'est très haut. On peut peut-être tout foutre en l'air. Bon bah écoutez, on improvisera. Ah bah c'est super, vous avez comme il y a déjà votre nom sur la pochette du disque. Oui mais vous avez pas demandé mon avis si je voulais être sur la pochette du disque. Bon c'est dit. Quand même un peu gonflé moi je trouve. J'en ai marre de cette nana là, marre de cette nana. Donc on demande aux artistes de faire un duo avec elle. Non mais attends, vous me mettez dans une situation un peu difficile. Il y a un budget de plusieurs millions de dollars dans cette affaire. Oui, et ma que je m'en sortir, écoutez, tamponner, à chanter avec Patricia Carly. Oui. En duo, mais oui. En live, mais ah oui. non. C'est enregistré. Non. Ça va lui faire, à mon avis, plus de tort que de bien. Monsieur Barclay, je crois que vous présidez le jury ce soir. Voilà. Cette jeune fille va gagner ce soir le concours. C'est décidé en haut lieu. Si on ne prend pas un pantin, non, pas du moi tout. Je ne reste pas. C'est pour ça qu'on vient vous prévenir maintenant. Oh non, mais vous n'avez pas besoin de me prévenir, je m'en vais. Alors, monsieur Lama, oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous voir une petite minute? J'ai quelque chose d'un peu important à vous dire. Oui. Il faut qu'elle gagne ce soir, d'ailleurs elle va gagner. Entièrement décidé en haut lieu. J'ai jamais vu ça de ma vie, ouais. C'est la première fois que je vois ça. Bah. De toute façon, le CD est prêt, tamponné. Gagnante de la Rose d'Or 2002. Vous êtes quand même comme moi, vous avez perdu la grosse. Bonne réaction des chanteurs présents à l'Olympia pour la Rose d'Or. Évidemment que ce n'était pas truqué, ce concours de la Rose.